excusez-moi. Pourriez-vous nous laisser passer, s'il vous plaît? Merci. Oh, elle est là. Elsa, je veux dire, Majesté, c'est encore moi. Puis-je vous présenter le prince Hans des îles du Sud? Votre Majesté. Nous aimerions avoir votre bénédiction. Pour notre mariage. Quoi? Votre mariage? Oui. Excusez-moi, êtes-vous sérieux? Nous n'avons pas encore planifié tous les détails. Il nous faudra quelques jours pour prévoir la cérémonie. Bien sûr, il y aura de la soupe, du rôti et des crèmes glacées. Oh, attendez, habiterons-nous ici? Ici? Oui, avec grand plaisir. Anna, et nous pourrons dire à vos 12 frères de vivre ici avec nous. Nous avons assez de chance. Anna, je t'en prie, calme-toi. Aucun de ses frères ne vivra ici et personne ne se mariera. Attends, quoi? Puis-je te parler une minute? Seule à seule? Non, peu importe ce que tu as à dire, tu peux nous le dire à tous les deux. Parfait. On n'épouse pas un homme qu'on ne connaît pas. À moins que ce soit le grand amour. Anna, que connais-tu du grand amour? Un peu plus que toi. Tout ce que tu sais faire, c'est rejeter les gens. Tu as demandé ma bénédiction et ma réponse est non. Maintenant, je vous prie de m'excuser. Votre Majesté, si je puis me permettre... Non, je ne vous permets pas et je vous demanderai de partir. La réception est terminée. Fermez les portes. Tout de suite, Majesté. Elsa, non, non, attends. Rends-moi mon gant. Elsa, je te supplie de m'écouter. Je ne peux plus vivre de cette façon. Alors va-t'en. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le-moi. Ça suffit, Anna. Non, pourquoi? Pourquoi me rejettes-tu? Pourquoi rejettes-tu le monde entier? Mais de quoi as-tu si peur? J'ai dit ça de tu. C'est de la sorcellerie. Je savais que quelque chose de douteux se passait au château. Elsa...